Et salut à tous, c'est Zerlix, en compagnie de mon Dave préféré et de Redbone. Salut Red, salut Dave. Salut tout le monde. Donc on va commencer une petite vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 et vous dire ce qu'on en pense réellement en fait. Oui, c'est... T'es sûr que c'est le 2 ? Vidéo sans spoil, de préférence. Et donc on va essayer de pas trop vous spoiler pour ceux qui sont intéressés vraiment pour le jeu, mais on va vous dire les points forts qu'on a notés, les points faibles. Les différences surtout entre le 1 et celui-là. Voilà. Et puis on va aussi vous montrer un peu de gameplay en espérant que vous appréciez. J'aurais plus tendance à gueuler qu'autre chose, mais c'est pas grave. Quoi. Ah, c'est des choses qui arrivent. Ah non. Ça c'est pas censé arriver ça. Ça c'est le mal personnifié. ou des branleurs personnifiés, je dirais plutôt. Mais gros branle-couille. Hein. Je vais prendre. Okay, here I go. À noter qu'on a un peu d'heures de jeu dessus, quoi. Oui, on a quand même testé le jeu avant de dire de la merde, des trucs comme ça, quoi. Hein. Ouais, pour éviter le didacticiel et tout. Ah, je savais que Goku était le vilain. Mais toujours, il n'a jamais été le héros, mais ça beaucoup. C'est lui qui a détruit sa planète, bien sûr. C'est lui qui a demandé. Donc le gameplay est légèrement différent, mais c'est quand même du. Enfin, on reconnaît bien le Xenoverse 1 dedans, il n'y a pas de plus grosses différences que ça. Ouais, ça va être plus que le ça, ça va pas changer. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça quoi. À première vue, il est quoi, plus rapide? Beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux quand même. Si tu penses avoir des combats rapides et tranquilles, je te prends. Par contre, tu peux tuer l'ennemi en quasiment un combo si tu connais bien les personnages que tu utilises. Bon là, j'ai plus de Kilin, c'est pas un peu de. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est une quête qui est pas très différente de Xenoverse 1. Malheureusement, c'est en fait la même, hein, Xenoverse 1. En ce qu'on parlait, on a des quêtes similaires, mais avec quelques détails qui changent. Voilà, bon, celle-là, c'est une des rares quêtes qui ne change pas. Hein. Il y en a 3 ou 4 comme ça pour moi, d'après ce que j'ai noté. Où c'est exactement la même chose, malheureusement. Je sais qu'il y en a de nouvelles avec beaucoup de trucs différents. J'ai foiré le combo. Et les attaques sont un peu plus jolies. Mais certaines, comme celles que vous allez voir là, sont à chier. Elles marchent! Eh ben écoutez, c'est miracle. Arrête de. Vous pouvez le voir, Red. Quoi, t'es l'ennemi? Est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Non mais voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, moi, mon perso n'a pas de charge de ki, donc du coup, pour en récupérer, ben, classiquement... Alors je vois qu'il y a toujours les portails, ça, j'ai pas fait gaffe. Oui. Donc sur une même map, il y a plusieurs zones. C'est quand même... C'est ça. Ouais, je le connaissais pas, celui-là. Ben, c'est une boule qui... D'accord, ok. Run, go on. Qui suit les deux. Ouais, mais... Sois pas étonné, t'as un jeu de payant, hein. En fait, j'ai pas choisi Krillin, c'est que j'étais en train de regarder les ennemis. Ça me montrait un peu le roster d'ennemis que j'avais débloqué. Enfin, de perso que j'avais débloqué. Déjà. Oui, la moitié sont son ennemi.
T'as créé quoi comme perso, Red? Plus fort, ça y est. Ça y est. Je suis dans l'originalité la plus totale. Voilà. La spécialité de cette attaque, c'est de tirer à blanc. J'ai jamais touché, papa. T'as le Kinza? Ouais. Juste là, mais je peux pas l'utiliser vu que j'ai pas de pouce. C'est la deuxième technique que t'apprends avec. Avec rien quand tu l'enlèves. Alors vous avez plein de techniques, hein, plein de combos, par exemple vous avez le déplacement rapide qui se place directement l'adversaire. Vous avez de gros knockout aussi. Il y a plein de combos possibles, hein, je les connais pas toutes. Comme ça, voilà, vous l'éjectez, puis après vous allez directement derrière, comme vous venez de le voir. On avait parlé que maintenant il y a toutes les cases qui sont prises, parce que vous choisissez les attaques et tout pouvoir par rapport à... Oui, effectivement, là, quand vous créez votre personnage et que vous... Vous voulez changer d'équipement, de technique, tout ce que vous avez. Vous avez la possibilité, cette fois-ci, de tout remplir et de ne pas avoir une Kaioken ou un truc comme ça qui vous gêne pour mettre une attaque. Ouais, ça c'est terrible. Vous avez carrément un onglet éveil, là que vous voyez à la. Merci Goku de me couper. Que vous voyez en B dans la section outils, qui sert en fait pour les transformations comme Kaioken, Super Saiyan, éveil potentiel et tout comme ça. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on n'a plus 3 Kaioken différents, on n'en a qu'un seul. Et selon le nombre de barres de ki que vous avez, vous pouvez passer d'un Kaioken au Kaioken x3 et au Kaioken x2. D'accord, autant que c'est une technique que tu peux mettre direct à Kaioken x1. On voit que c'est le même en plusieurs étapes. C'est ça. Pour le Super Saiyan, on n'en a pas débloqué. Mais je pense que ça sera pas mal. C'est vrai que je ne l'ai pas encore débloqué, je n'ai pas eu la quête qui me permettait de le débloquer. Mais a priori, ça a l'air d'être la même chose. C'est sympa, ça de ki, puisque mais avec tout ça, vous avez oublié de préciser un truc, les gars. Préciser quoi? Vous avez oublié qu'on peut récupérer les anciennes sauvegardes du jeu pour le 2. Ah oui, c'est vrai, mais non, le. Mais que de un seul et unique personnage. Ouais, t'as un ancien perso de Zuno. Ouais, mais ça sert uniquement comme statut et héros, c'est tout. Tu le verras que d'un. Mais après, je récupère les PNU, je récupère les techniques et les ennemis. C'est ça? Ouais. Mais d'ailleurs, le Kaioken et le Super Saiyan ne sont pas transférés. C'est pas ce qu'ils disent le site officiel. Tu l'as récupéré sur ton perso, Red? Je sais pas, sur le perso que j'avais changé, j'avais pas de Super Saiyan. Mais au début du jeu, il faut mettre une liste des techniques qui sont transférables et celles qui sont pas transférables. Il me semble pas avoir vu le Super Saiyan. En fait, je me merde en tant que joueur. D'accord. Bizarrement, sur le site, il disait très bien que certaines attaques, y compris le Kaioken et le Super Saiyan, ne seraient pas transmises de la sauvegarde au personnage. Mmh. Je sais pas, de toute façon, vous le verrez bien, je vais en faire une vidéo, vous avez une liste de ce marqué de ce qui est transféré ou pas. Même ouais. Avec le lock, ça n'a pas suivi. Non. Le Kenza Noël, il a une portée. Ils ont vraiment mis une portée très réduite en fait. J'ai toujours pas vu de bataille de Rion. Déjà, il y en avait dans le 1. C'est ce que je me pose comme question aussi. Est-ce qu'il y en avait dans le 1? Non, il y en avait pas. Il était censé y en avoir dans le 1 en fait. Il y en avait pas. Et je crois que sur des anciennes trailers, j'ai vu des batailles de Rion. Mmh. J'ai le Kaioken, j'ai le Kaioken. Tu ne rêves pas, hein, il y a vraiment la vue même. On va quitter la salle d'attente, histoire de leur montrer un peu la ville et tout ça. Alors oui, la ville, trois fois plus grande, je crois, que le premier. Oui. Le nom, faut pas me demander, j'ai les appelés complets. Ah pareil, j'ai complètement zappé. Koritoki, nouveau nom, c'est Kotana City. Donc voilà la zone, hein, c'est une zone assez grande. Vous pouvez voler dans la ville, mais ça vous le débloquerez qu'à partir du niveau. Enfin, je pense que c'est niveau 30. Je suis pas sûr. Mais bon voilà, quoi, vous pouvez faire accéder à plusieurs zones. Hein, Alors il y a des lieux mythiques. Oui, effectivement, oui, comme la Capsule Corp ou alors la Kame House. Ou encore la baraque de Satan et la demeure debout. Et le vaisseau de Freezer, voilà, je les ai toutes dites.
Et vous avez des petites zones comme ça, comme la forêt des champignons. Il faut savoir que dans la map même, on peut faire des petites missions. Oui, c'est ça. Rappelez-vous, dans le 1, vous aviez un seul maître et vous ne pouvez pas faire de mission à part. Là, vous pouvez avoir un maître et faire toutes les autres missions d'entraînement pour débloquer les techniques et avancer en XP et tout ça. Il y a même les entraînements de tortue géniale où tu ramènes du lait, des trucs oui. comme ça. J'aimerais bien savoir si je peux vous en montrer un, mais il faudrait que Krillin se décide à se mettre à côté d'un certain magasin et me propose la quête. Donc c'est une ville vivante, quoi. Ça c'est assez plutôt sympa, quoi. Voilà, t'as des PNJ qui sont immobiles, comme vous pouvez le voir. Ah, mais il y en a un qui s'apprêtait à faire soit la quête, soit il venait de la finir. Et non, Krillin a décidé de m'emmerder. Voilà, donc... Vous connaissez ce bâtiment, hein. Si vous connaissez la série, vous connaissez ce bâtiment. Question, est-ce qu'on peut y rentrer dedans? Bien sûr. Je vais vous montrer. Dès que mes boutons auront décidé de marcher. Il y a encore quelques petits bugs, hein, comme vous l'avez vu pour le combat de Goku, il était sous terre et d'un coup il est apparu à côté de moi. Ce sont des petits bugs comme ça qu'il y a dans le jeu encore pour moi. Voilà. On est sur PC, question bug, c'est pas comme moi sur console à l'époque de Xenoverse 1. Ah, le lancement du jeu, je parle. Oui. Et encore, ça aurait pu être pire, hein. C'est la première fois qu'on a joué, moi et Red, sur Xenoverse 1, on pouvait même pas jouer en ligne. C'est... Ah mais là, je tiens à préciser que je ne peux même pas te rejoindre en ligne. Je suis dans ma partie solo. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu es totalement bloqué en fait dans le lobby solo, toi. Mais, donc on va pas me dire qu'il n'y a pas de bug dans le 2, hein. C'est autant merdique que dans le 1. Ouais, mais nous on n'a pas eu ce bug de multi, hein. Bah, et moi je peux pas. Ça fait 3 fois que je quitte le jeu quand je le relance pour pouvoir justement jouer en multi dans la même ville que vous, entre parenthèses, et que je peux pas. Ben, un autre exemple de bug, hein. Normalement la statue verte c'est censé être mon perso du 1. Moi j'ai le perso héros lambda de base, quoi, à poil et dégueulasse. Bah, ben, moi ton perso t'avais sauvegardé. Redbone, lui, il a pu récupérer des items du 1. Moi, tout ce que j'ai eu du 1, ce sont un paquet de zénith et 2 capsules de petite régénération. Bon, c'est pas... Ce sont des petits trucs comme ça qui gâchent un peu le jeu, mais sinon, l'histoire est plutôt sympa. Je crois qu'il y a eu déjà une mise à jour. Oui, une petite mise à jour de 16 mégas, je crois. Je m'en rappelle plus. T'as vraiment sa couleur, hein. Ouais. Déjà une mise à jour, le jeu vient de sortir. Aujourd'hui, vas-y. C'est vrai. Donc voilà. On va maintenant, ouais, j'avais pas donc oui, alors pour sélectionner les quêtes, c'est exactement pareil. C'est le même système, hein. Vous avez les quêtes parallèles, vous choisissez les quêtes, ainsi de suite. Vous avez votre tableau, vous avez les conditions, puisque vous gagnez aussi, quoi. C'est ça. Bon plan, les frères Saiyan, tout le monde la connaît. Celle-là, c'est l'équipe du championnat du monde, on l'a eu dans le 1. Prépare-toi à l'attaque des Saiyan, on l'a aussi eu dans le 1, mais c'était un entraînement. Donc c'est les mêmes quêtes, ou comme on disait tout à l'heure, il y a une petite différence dans le... On va dire qu'il y a une légère différence. Mais c'est pas non plus une grosse différence. Par exemple, ça, on l'a jamais eu, ça. Bah tous les ennemis, bon, c'est classique, mais bon, ouais, c'est des Saibamen de différentes couleurs. Okay. Voilà. Les récompenses sont aussi plus faciles à obtenir. Ça c'est bien, les loot aussi. Les loot aussi, oui. On loot beaucoup plus facilement. Et par exemple, pour la création de personnages, il y a carrément tout un nouveau système. Vous avez toujours le classique avec les tenues, hein, puis après les accessoires qui servent à rien mais que c'est de la déco. Perruque, un trois. Et les QQ Bang, ça, qui sont en fait, quand vous avez des items en trop, vous les fusionnez plus une capsule ou une aura ou une connerie comme ça, et vous obtenez en fait des boosts. Pour les personnages. C'est purement personnel, en gros, tu as... Il y a de très bons boosts, comme tu peux vraiment voir. Ce que tu veux. Oui. Oui, totalement, mais ce sont vraiment des trucs que tu fais en gaspillant, par exemple, si tu as 5 exemplaires d'une tenue avec une autre 5 exemplaires d'une autre tenue, tu peux les fusionner avec une autre... Au moment où tu les fusionnes, ça te dit ce que tu vas avoir ou tu peux avoir des points d'interrogation? C'est des points d'interrogation, en fait, ça te révèle le truc, c'est comme ça que vous voyez cette daube-là qui est t'as beaucoup juste, de malus, ouais. Pourtant j'ai pris 2 bons items, je pensais avoir un truc meilleur et finalement en fait j'ai eu un truc qui me donnait que de la santé et m'annulait beaucoup de alors trucs. Là faut farmer, faut essayer, faut tester. C'est ça. Bon ben voilà, hein, vous voyez. Ça fait une grosse différence. Oui. Oui, c'est... Les âmes comparées au premier en fait changent le Kikoa
et vous donne un boost. Par exemple, vous voyez, là, je suis équipé de pas habitué à cette forme. Tu peux être invincible pendant une attaque ultime, comme on avait... Oui. D'accord. Il y en a une, c'est celle de Tenchian, qui vous dit carrément que vous ignorez les dégâts du Kamehameha. Pas mal. Après, je ne sais pas si ça marche avec les ultimes, mais voilà, il y a certains trucs comme ça qui sont plutôt sympathiques. Pour le moment, moi, de mon point de vue, c'est plutôt un bon jeu, mais c'est vrai qu'il faut pas regarder sur tout ce qui ressemble au 1. Voilà, si on a beaucoup farmé le 1, c'est sûr qu'on va voir beaucoup de ressemblances. Je l'ai farmé le 1, je l'ai vraiment farmé énormément. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de ressemblances. Peut-être un peu trop. Moi je dis que c'est le meilleur jeu du monde, il y a la danse de Vegeta qu'on peut bien aussi. Et à manger. Est-ce qu'on a beaucoup de Dragon Ball Super qui est actuellement? J'ai vu quelques costumes, je crois. Alors, qu'il y a... pour le moment, en Super, qu'est-ce que j'ai croisé? J'ai croisé Vegeta avec sa tenue d'SS Code. Et c'est tout. Je crois que Red, tu demandais s'il y avait des stories avec le monde des Super. Ah, mais il y a plutôt intérêt, sinon je crois que je vais carrément aller voir Toriyama et foutre quelques baffes. Alors, pour ça, c'est très simple. Je suis donc allé faire un tour sur le site officiel du jeu. Et a priori, suite à la demande de beaucoup de fans. On peut mettre des buffs à Toriyama, ça y est? Il y aurait non seulement des persos de Dragon Ball Super, donc le Freezer et le Saiyan de l'univers des 6, c'est ça? Si je me rappelle bien. Au bon championnat, oui. Voilà ça. Et quelques quêtes. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait retrouver Hit et autres personnages qui ont marqué la série. Pour le moment, les deux seuls persos annoncés, c'est justement Freezer, forme finale, Univers 6, et le Saiyan Frost, Univers 6. Je crois qu'il s'appelait. Là. Il me semble, c'est ça, je voulais pas dire de conneries. Comment ? Le nom de Freezer de l'Univers 6, c'est Frost. Oui, c'est Frost. Nous allons partir dans une autre quête, hein. On va pas non plus vous spoiler. Je crois que t'as des véhicules aussi pour te déplacer dès le début. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas montré ça. Voilà, il y en a deux sortes pour les précommandes, donc ça c'est le truc classique avec boost et tout ça. Hein. On peut en acheter d'autres? Genre le nuage magique Je ne sais pas du tout. J'ai vu un truc, je pensais que ça allait être un loot d'objets nuage magique, mais c'était une aura. C'est vrai qu'on a à peu près, on va le dire, 3 heures de gameplay. Pour présenter le jeu, donc c'est pas non plus tout débloqué. On n'est pas allé, et puis en 3 heures j'ai geeké comme un porc. Je voulais essayer de débloquer le Super Saiyan pour voir justement si... C'est sympa ça, c'est... visuellement c'est agréable quoi. Oui, c'est très agréable. Mais bon voilà, vous venez de voir en fait, là le truc rose là, dégueulasse là. Le rondin de bois de Topai Pai, qui est le véhicule de la précommande. Hein. Bon, vous avez plein de Goku aussi pour la... Ceux qui ont la précommande. Voilà, vous avez Black Goku et Future Trunks pour les gros, pour les packs collector. Je vais préciser que c'est un Black Goku, qui sait même pas se transformer. Ouais, on a eu Black Goku, mais Black Goku dans sa forme originale, c'est-à-dire en gros quand il apparaît dans la série. Quoi. Et pas plus. Quand il apparaît dans la série, à la fin de l'épisode, il arrive à se transformer. Non. On n'a pas vu s'il se transformait en rose. Non, il se transforme pas, j'ai vérifié tout à l'heure. Il n'y a pas la transformation, il a les attaques de base. Quoi. C'est... Voilà. D'ailleurs, même son nom, c'est Son Goku Black. C'est même pas Black Zamasu. Ah, merde. Désolé pour le spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série. Vous avez qu'à la mater. Sort les doigts du cul et on regarde la série. Ouais. Donc t'as les quêtes pour le solo, t'as les quêtes pour le multi. Pour le multi, ça change pas. Il y a des quêtes que je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne connais pas tout non plus. Il y a beaucoup de quêtes. Il y a des quêtes de partout en fait. Hein. Il suffit d'aller dans la ville pour avoir moins une vingtaine de quêtes. Oui, mais c'est pas en rajoutant des millions et des millions de quêtes que ça va forcément faire un bon jeu. Le 1 était bien parce que c'était nouveau, mais si le 2 il en prend exactement le même jeu, ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut attendre avant de juger définitivement le jeu, d'aller plus loin dans le jeu pour voir ce qui se passe. Ouais, ils ont plutôt intérêt. À la fin du jeu, ils te mettaient un teasing énorme avec la gonzesse qui arrive à s'échapper et qui est la seule survivante de l'histoire, finalement. Alors, on a toujours les batailles de Gouri. Pour l'instant. On a toujours les batailles de Gouri. Est-ce qu'on peut se transformer?
un géant ou un gorille comme on avait vu dans les trailers. Alors là, je ne sais T'as pas pas du encore tout. eu accès? Je ne sais pas du tout parce que j'ai pas tout fait C'est encore. sûr qu'on peut le faire puisqu'ils l'avaient annoncé. Après, c'est dommage si on n'a pas encore accès maintenant. Ben, c'est comme le CS3, hein. C'est officiel. Hein. C'est officiel aussi. Je prends un truc. Oh, je prends une. Comment on appelle ça, une jambique qui me semble avec le fait que c'est le bras? Je sais pas. Nuni braille. Nuni. Nuni braille. Ouais, Nuni braille. Nuni branlette. Non? Nuni branlette, oh non. Je me fais défoncer là quand on prend le web. Pas du tout au niveau. T'es au courant? Oui, putain, une nouvelle énergie. Oh. Qu'est-ce que c'est ces images? Voilà, j'en ai. Je l'ai dit à mon cher acolyte Red et Dave tout à l'heure. Pendant qu'on joue, on peut se faire en fait agresser par des joueurs, enfin par des persos de joueurs. Vous êtes en train de le voir et je suis en train de prendre la collée. Ah, t'es Littéralement. tout seul, non? Ah mais t'as quand même le Garry Cannon, enfin le gros quoi. Combien de joueurs maxi sur une battle? Je sais pas, comme tu peux le voir, pour le moment on est deux et je crois que c'est Bon, limité. vu les ressources du jeu, je peux te dire qu'on peut en mettre beaucoup. Hein. Non, je pense que c'est limité à 3. Ah bah vous êtes déjà plus que 3 là. Oui, non, mais il me parlait de joueurs comme nous, des humains. Bah parce que là, maximum. Ça veut dire l'actualité ne parle maximum pas des 6. humains. Bah là tu Si, vois parce j'en ai 3 sur que... la j'en ai 5 sur la gueule. Et C'est en du 4. coop, on peut être à combien? Je crois que c'est ça va jusqu'à 3. Pas plus de 3. Ouais. Donc Bah, il me 3 semble que c'est moi et 6 là. parce que c'est du 3 contre 3 les combats. Bah là c'est du 4 contre 2. Du 4 contre 2. Non mais je te parle en multi. Il me Ah semble que oui. t'as du 3 contre 3. Donc ça fait 6 joueurs. Non mais arrêtez de me taper. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait par rapport au 1 qu'il n'y avait pas, quand on joue en coop, on puisse combiner des attaques, voire faire des fusions. Ah ça serait bien, ouais. Mais je ne sais pas, je n'ai pas assez joué pour pouvoir répondre à cette question. Gohan, on va pas s'entendre. Ah, pas s'en sortir, c'est trop bon. Comme vous pouvez le voir, le combat est très nerveux, hein. C'est pas du tout, on attend patiemment que le mec vienne nous taper dessus. Alors, la barre d'endurance est beaucoup plus grande qu'à l'époque. Le ki aussi, je vois que les barres de vie aussi sont plus résistantes. Oui, mais bien Les sûr. combats durent plus longtemps par rapport au 1. Ou très court, hein. Ça dépend comment vous arrivez à passer vos attaques et comment vous arrivez à tenir. Je pense qu'en Super Saiyan, on doit pouvoir enchaîner aussi les attaques. Je pense aussi. Hein. Ça, c'était vraiment cheaté. Vous pouvez faire une dizaine de Genki-Dama. Enfoiré! Ah, mais c'est pas tout très bien. Un truc aussi, quand tu es en transformation et qu'elle s'arrête pendant une attaque ultime ou n'importe quoi d'autre, ça te coupe Oui, dans littéralement. ton élan. Mais parce que je suis un Kaioken, je n'ai pas essayé le Super Saiyan, donc je ne sais pas si ça fait le Super Saiyan. Ça doit être le même principe, mais ça c'est logique et en même temps gênant. Ouais, mais au moins ça fait plus réaliste quoi, dans la série DBZ, parce que je te rappelle Putain! que quand tu as des Saiyans avant, tu t'es arrêté tout simplement quoi. Ouais, tout simplement. T'as pas une gueule qui était pas du bon niveau, c'est pas possible. Je crois qu'elle est pas de mon niveau non plus. Tu peux réanimer. Ouais, je crois aussi. Mais qui va me réanimer moi? Tu aurais pu prendre des acolytes avec vous. Non. Tu peux même, je crois, louer tes services comme un le 1 avec d'autres personnes. Oui, mais je vais pas faire. Déjà, je... Enfin, celui-là quand même, Dragon Ball, il faut dire qu'il ressemble plus à un RPG qu'un jeu de baston. Pas quand même. Au niveau de la map, mais après, question de baston.
Ah là, il manque un millimètre, même pas. Allez, tu m'as fait dur. J'aurais pas dû l'utiliser. Me tape pas, je suis vulnérable. C'était une attaque utile du Kaioken x 4 comme un an. Le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous êtes totalement à la merci de l'adversaire. Bon, les vagues, les effets de tout ça, c'est pas. Non, c'est. Et ben plus que 3. Ah, pareil, oui, on obtient les matériaux. Les Dragon Ball, un peu les. En fait, vous pouvez les jeter n'importe où maintenant. Si on vous demande si vous trouvez un policier ou pas qui vous propose un duel sur la carte, vous pouvez très bien ramasser Dragon Ball à la fin du combat. Sachant que ce sont les combats les plus durs du jeu. C'est très facile. Ah, tu fais exprès, mon frère. Ben, je suis tout seul. T'es pas tout seul, je suis en train de voler avec Gohan. T'es en train de quoi? Il est en train de s'amuser avec moi. T'es en train de quoi? Voler avec Gohan. T'es en train de quoi? Hein? J'ai plus l'impression que t'es en train de faire la... T'es en train de lui faire la cour, oui. Cherche pas, il donnera pas son fric, hein. Tu sais que je me noie, en fait. Dans de l'eau. Red, il a le niveau d'un Shaolin. Oh, je pense que même chose, je suis en train de prendre. Aïe. J'ai souffert pour tes péchés, Red. Oui. C'est un boost, comme tu vois. Non, c'est une capsule. Un truc que j'utilise que très rarement. Mais au vu des circonstances. Ouais, il est bien plus fort que moi, Gohan. Ouais, il est pas plus loin, c'est pas pour moi. Non, c'est pas lui qui disait, c'était l'autre. Il a essayé de libérer l'autre, mais... Il m'a chopé. Tu vois que le corps à corps est vraiment mis en valeur dans ce univers 2. Ouais. Les persos dans le 1, ils étaient souvent en arrière, en train de recharger le coup. Ah mais là t'oublies, hein. Une fois qu'il y en a un qui t'avance son collimateur, c'est fini. Ah, je me souviens beaucoup dans le 1, là, pour avoir joué d'autres fois contre d'autres gens, je me souviens beaucoup que dans le 1 c'était beaucoup des personnes de distance qui boostaient à mort leur coup et qui finissaient généralement une attaque ultime pour pas se faire chier. Ouais. Ah, c'est toi qui mange, c'est là, il faut bien que je tombe un jour. Hein. Eh merde. C'est le petit Red qui va t'aider. Ah. C'est pas une guerre là, c'est... Alors c'est ça. Ouais Red, soumets-toi, c'est fini. Abandonne. Admets la fatalité. Oh, je vais tenir, hein. Ah, vous disiez quoi, les gars? Il va y hein arriver. Ça y est. Ouais, faut que j'abandonne, il faut que je me soumette. Un petit camion à téléporter, ça rentre plus. Oh, l'enfoiré, il m'a annulé ma capsule. Il y a un truc sympa, c'est qu'on a l'air de moins se coincer dans le décor. Ouais, on est beaucoup plus maniable. Gohan, tu m'emmerdes. Je t'aime bien. Hein. Parce que comparé à Gohan Super, tu es beaucoup plus utile. Ah! J'avoue que celle-là, elle était un peu chaude. Tu as mis quoi comme quête là, ça? Bon, elle était pas si élevée que ça. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux maintenant nous montrer des attaques avec des géants?
Oui, bien sûr. Je vais voir si. Un petit slug géant ou un badak géant. Slug géant, je ne l'ai pas encore rencontré. Pas encore. S'il y est. Il y est. Il y est, ouais. On sait qu'il y a slug, mais est-ce qu'il est géant? Si, si, il y est, ouais. Pareil, c'est par rapport au premier trailer, il ne peut pas les avoir levés. Alors... ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. C'est Bandai Namco. Hein. Gorille, 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 gorille. Tu dis qu'ils sont plus grands? Ouais, un peu, ouais. Ah, ils sont un peu plus grands, ils font 1,05 cm de plus. La première fois que j'ai eu dans un jeu vidéo Dragon Ball rencontré des gorilles comme ça, c'était dans Final Bout. Ah oui, je crois que c'était Play 1, ouais. Bien sûr. C'est très vieux. J'ai jamais fait celui-là. Bah, c'était un jeu de combat, je crois qu'il était en 3D, il me semble. Ah, c'était de la 3D, mais alors fallait pas chercher plus loin. Avec les FS4. C'était du polygone, et alors. C'était très lent. Mais bon, c'était des potes. J'ai toujours. Tu l'as encore? Ouais. Ma collection, ma fameuse collection. Ouais, ta fameuse collection. L'homme aux mille figurines. Ah, je suis un gros fan de. Il faut savoir que DFBZ a quasiment toutes les figurines Dragon Ball qu'il a pu trouver en France. Ouais. J'en ai beaucoup, entre autres cartes, des POG, ouais. J'ai un peu de tout. On remonte dans le temps quand on va chez moi des fois. Oui. Je crois que même que t'as une espèce de poupon Goku. De 84, ouais. Ouais. T'as même l'arène. Ah oui, la fameuse arène. J'ai une petite arène où tu mettais les figurines dessus et tu pouvais les faire combattre. L'arène, il me semble aussi que t'as le. Comment ça s'appelle ? Le palais de Dieu, non ? Je dois l'avoir en figurine aussi. Ouais. Oui, c'est ça, il semble que c'est comme ça. Je crois que le seul perso qui me manque, honnêtement, c'est Goku 4 des GT. Ça me fait bien pas, en fait. C'est le seul qui me manque. Ah non, mais les GT, c'est le disque. Sinon, j'ai absolument quasiment tout. Sauf les sujets. Le GT n'a jamais existé, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ça? Goku 4? Désolé, moi je connais pas GT. Ah, je peux pas dire ça, la figurine de Gogeta 4 est sublime que j'ai. C'est peut-être Gogeta... le seul qui vient, mais encore les attaques de Gogeta 4 t'as pas à chier quoi. Gogeta 4? Je sais pas. Ça vient de où? C'est quelle existence ça? Ah, tu es trop jeune pour comprendre. Trop jeune, monsieur. D'ailleurs, par rapport au Super, ils ont complètement éradiqué le GT, mis à part quelques. Non, il n'y a plus du tout de GT en fait. Tu prends le GT, tu le coffres. Pas du mal. Mais il y a tout ça, qui sont enfants, qui sont revenus enfants, ça c'est le début du GT. C'est le seul rapport qu'il y a. Oh, ça, c'est un peu bon, hein. Pourquoi ils l'ont fait, va savoir. Mais... Faut pas chercher parfois. Ah, je voulais voir les temps de chargement. Voilà. Ouais. C'est correct. Tu vas t'entraîner toi? C'est correct. Moi j'ai eu Raditz, il a pris un one shot. Moi j'en ai pas. Il n'a pas de bol. Dave, pourquoi tu me dis de dire ces genres de blagues? Ouais, je vais dire rien. Je ne me permettrai pas. J'aurais bien aimé voir Nappa avec des cheveux. Eh, mais vous l'avez vu, on l'a tous vu, hein. C'était quand Vegeta il reparle de son. Non, c'était même l'épisode de l'OAV avec Bardock. Ouais. Je vois Nappa avec une petite crête sur les. Okay. N'a pas avec des cheveux. Alors, le canon garlic et le Kaioken Kamehameha que j'ai, ce sont des techniques qu'on achète avec des points TP. Hein, c'est pas des mêmes. Alors, les points TP, tu les gagnes comment? En faisant des quêtes, en battant le rang Z et parfois tu as un reçoit. C'est notre monnaie en fait, il n'y a pas plus de. C'est ça, c'est une sorte de monnaie. Sinon, j'allais te dire, s'ils réfléchissent, ils lancent le 1 avant de lancer le 2, et ils mettent toutes les techniques qu'ils veulent récupérer, et ils récupèrent dans le 2. C'est vrai. C'est pas moins cher. Parce que toi, t'as pu le faire, mais c'est vrai que nous, on n'a pas pu.
Ben moi je n'ai pas pu, j'ai eu un gros bug. Hein. Non, ils sont racistes envers toi. Ils savent que t'es chauve. Alors, comment être le système de combat même? Très facile, comparé au premier, très facile. T'arrives? Tu peux lui taper dedans. Et après, tu balances la sauce. D'accord. Bon, bien sûr, c'est Vegeta. C'est Vegeta Gorille. Hein. Attends, on va rester cohérent. C'est un petit skeleton. Il peut t'attraper, tu passes un coup TE, des trucs comme ça. Oui, il peut t'attraper et ça fait sa petite assez quand même. Ah, tu peux annuler l'éveil dans celui-là. Oui. Pour éviter justement d'avoir l'explosion qui te dit que t'as pu t'attraper. Pardon. Enfin, un point positif dans le jeu. J'ai eu la voix qui est partie. Donc j'étais en train de dire quoi? Oui. C'est pour éviter justement de te taper le. Ouais, le contre-coup. L'arrêt, quoi, c'est le truc. Quoi. Enfin, un point positif. Parce que qu'est-ce qu'on a vu en gros? Je crois que c'est Thalès. Ou alors c'est des. Thalès maintenant? Oui. Le lac souterrain qui était une extension du 1. Un des DLC. Ah non, c'est Nappa, je crois. En mode gorille? Non. Ah non, mais on se fait encore agresser, quoi. Oh, encore les racailles. Il y a moyen peut-être de bloquer l'agression des multijoueurs. Non, mais c'est pas des joueurs, hein. Ce sont des PNJ. Hein. Oui, mais PNJ, des multijoueurs. Non, là, c'est des PNJ. Peut-être. Non, tu peux pas. Si tu fais en fait la phase Z, la grosse fête, ils arrivent. Quasiment automatiquement, bon c'est pas tout le temps à chaque fois non plus, c'est toujours hors ligne, ça arrive. Ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Toi quand même, il fait une vie qui arrive. Voilà. Bon, de l'autre côté, la récompense, c'est voilà, ça te donne du matos, parfois des boules de cristal, c'est... tu vas pas te permettre. Ouais, c'est sûr. Des équipements aussi. Ouais, ils ont déjà filé des équipements. Hein. Bah, moi, ils m'ont déjà fait des tenues. Bon, c'était une tenue à la con, mais. Ah bah j'ai jamais dit que c'était des pointus. Bon Gandalf, je pense à moi. Moi c'est plus de tabou là. Ah oui, alors ouais. Je ne connais pas les combos, je fais souvent la même parce que moi je sais que celle-là elle marche. T'inquiète, il sait que c'est du triangle Y et Y. Non celle qui balance, et ça je vais en faire une autre sans vouloir. Ça c'était joli. Parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit souvent la même chose. Je ne les connais pas toutes encore, hein. J'essaie d'en passer pas mal, mais encore un peu de mal avec le système. Hein, de... Ça fait toi en fait. Ouais. J'ai fait les deux. J'ai fait le final Kamehameha. La véritable attaque de Gogeta et c'est ça. Et le Kaioken Kamehameha, qui demande beaucoup de patience. Alors certaines parties du décor sont destructibles et se reconstituent à la seconde phase. D'autres sont destructibles et elles sont détruites. D'accord. Mais en aucun moment, on verra une planète se faire démolir et... Non, malheureusement. Comme dans certains anciens jeux. Quoi. Donc vous venez de voir le Kaioken Kamehameha x4 et là, le final Kamehameha. Ouais. J'ai raté Red Bone, je suis désolé. Oh, c'est bien, hein. Tu vas mourir. Nickel. Pardon. Alors l'attaque Kaioken, vous fera quasiment tout votre qui. Hein. Si vous avez 6 barres, elle prendra les 6 barres. Putain, mais tu t'excuses même pas hein. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, chacal ce mec hein. Jusqu'au bout. Donc rang Z, hein, avec tout ce qu'il y a, c'est vraiment classique. Et c'est là en général que vous savez si vous avez eu les... Si tu lootes une Dragon Ball, Red la loot aussi. Dragon Ball 6 étoiles. Tu les as eu Red? Nyeh. T'as pas eu les Dragon Ball? Nyeh. C'était que pour toi. Moi j'ai eu objet clé. Ah, les loots sont différents. Hein. Ça aurait été sympa pour... J'allais te dire, t'as eu le Garrick Cannon ou pas toi? Pardon? T'as eu le Garrick Cannon ou pas? Non, parce que j'ai déjà... Parce que moi j'ai le Garrick Cannon suspendu. Ah, je l'ai pas le suspendu. Et bien moi il est suspendu. Il prend une corde et après il fait son Garrick Cannon.
crois que nos vannes sont vraiment au plus bas ce soir. Il y en a quand ils prennent une corde, ils défèquent, mais moi quand je prends une corde, je fais des guerriers quand même. Bon, on va le laisser tout seul, hein. Non, mais voilà. C'est tout. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas changer de quête comme ça. Là. Être obligé de revenir dans le salon pour... À moins d'histoire, ça s'enchaîne. Oui, ça s'enchaîne. D'ailleurs, vous avez plus le truc de vous retourner au truc pour prendre une nouvelle quête. Ça, c'est bien. Vous avez une sorte de chapitre. Vous faites le chapitre complet avant de retourner dans le salon. C'est un Xenoverse 1 amélioré ou c'est vraiment un pur 2? Franchement, je vous le dis, hein, du fond du cœur, ça pourrait être un add-on. Oh bon. Ça peut être un DLC limite, quoi. Ça peut être juste un rajout du 1. Parce qu'il n'y a pas de quoi faire un 2 avec exactement c'est ce qu'aurait dû être le 1 en fait. Non, c'est ce qui aurait dû être à la fin du 1, moi je pense. D'accord. C'est Pourfendeur. Donc le 1 avec tous les DLC. Oui, je l'ai le Pourfendeur. Je l'ai depuis le début, moi. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont changé. Mais de là à nous pondre notre jeu, non, ça ne mérite pas d'être. Alors pour ma part, d'être une suite. Pour ma part, gros point négatif, c'est les musiques du jeu. Ah oui, non, mais ça c'est. Alors après, tous les goûts sont à chacun. Mais pour moi, ça. Le rendu est pas très bon pour moi. Je suis désolé, hein, je vais totalement acquiescer pour ce que Dave Bezette dit, mais je sais pas si vous l'entendez, mais il n'y a aucun rapport avec Dragon Ball, c'est ça le problème. C'est que vous avez des musiques, certes, ok, d'accord, mais elles sont dégueulasses. Si on se rappelle ce qui a fait la grandeur des musiques de DBZ, c'est. J'ai envie de te dire que quand t'écoutes la musique. Tu disais ? J'ai envie de te dire que quand t'écoutes la musique, ça fait un peu fanfare. Voilà. Ce que je veux dire. Même, il y a des passages, j'ai l'impression d'être dans un vieux film d'horreur à la con, tu sais, qui est complètement pourri, quoi. Ah non, mais là, ils ont complètement raté. Hein. Non, la bande de son de ce jeu est à chier, il faut le dire, il faut pas se mentir. C'est des avis personnels partagés entre nous, parce que bon, c'est vrai qu'on a à peu près les mêmes goûts, mais après, c'est pas un des points forts du jeu. J'ai envie de vous dire, j'adore le métal, j'adore la musique métal, et la musique du menu m'exaspère. Elle est à chier, elle est dégueulasse. Et quand je parle de menu, je parle pas de ce menu-là. Je parle vraiment du début du jeu, quoi. Quand vous lancez la partie, que vous allez appuyer sur débuter la partie, cette musique est affreuse. Il faut dire ce qui est, hein. Cette musique est affreuse. Alors, on peut mettre les voix en jap. Oui, on peut mettre les voix en jap. Mais je ne le ferai pas parce que le jeu risque de planter. D'accord, non, mais c'est à cause d'une mise à jour que j'ai eue récemment. Il y en a beaucoup qui se posent la question. Moi, c'est le premier truc que je fais dès que j'ai le jeu. Ah, je t'en d'ailleurs, rassure. D'ailleurs, quand vous commencez, moi, le jeu était déjà en japonais. Je n'avais pas en anglais ou quoi que ce soit. Ça, c'est une bonne chose. Ah, moi, je l'avais en anglais. Tu peux faire visiter Kame House vite fait. Oui. Je n'ai pas arrivé à rentrer dans Kame House. Kame House, en fait, tu prends le téléporteur, ben, je vais montrer à la vidéo. Ah voilà, oui, tu as des lieux historiques comme ça, mais il faut les téléporteurs pour y aller. Alors, comme je vous l'ai dit, là, je vole parce que j'ai débloqué l'autorisation de voler dans la ville. Mais sinon, vous devez tout faire comme on va faire maintenant, c'est-à-dire à pied. Donc tu voles et après tu vas où ? Téléportation, et tu prends quartier balnéaire Tortue Géniale. Il ne faut pas s'attendre à visiter toute l'île. Et après ouais. Là, tu as réception de Tortue Géniale. Ouais. Tu fais parler, et tu dis oui. Ah mais moi, il me dit que c'est fermé. Que c'est encore le nettoyage. Donc t'as pas le niveau encore. Ouais. Oui, d'ailleurs, pour les maîtres, c'est pareil. Hein. Si vous trouvez que les maîtres vous donnent pas beaucoup de quêtes, ou de missions et tout ça, c'est parce que soit vous n'avez pas le niveau, soit vous n'avez pas non plus encore accès à cette zone, donc ça revient à ne pas avoir le niveau. Par exemple, il y a des maîtres qui ne sont débloquables que si vous avez un certain grade de technique. D'accord. Par exemple, là, moi, je suis en train de monter le rang divin. J'ai passé mon temps à faire ça, d'ailleurs. J'ai trouvé. Voilà à quoi me font penser la musique depuis tout à l'heure. Je réfléchis à quoi ça me fait penser. Alors, le but d'aller dans un endroit comme ça. Ça, c'est pour les quêtes parallèles en ligne, combat en ligne. Ah, vous en foutez de ce que je dis? Non, mais trop bien. Il faut faire partie d'une équipe. Voilà. How are you? Donc, tu nous parlais des musiques. Oui.
Je disais, les musiques me faisaient penser à une. À, tout à l'heure, je réfléchis à quoi ça me faisait penser, parce que je te disais que ça faisait un peu fanfare. Ouais. Mais il faut savoir qu'il y a une autre série de jeux qui est aussi basée sur Akira, sur Toriyama, c'est Dragon Quest. Emblématique. Et ça, voilà, comme font passer les musiques, ça me fait penser à un Dragon Quest. Ce jeu est plus un Dragon Quest qu'un Dragon Ball. J'ai trouvé, ça y est. C'est une bonne référence, Dragon Quest. Hein. Oui, mais Dragon Quest, Dragon Ball n'est censé avoir aucun rapport. Pourquoi ils ont mélangé les deux mondes? Oui, mais pour rester dans le thème de Dragon Ball, hein, pour ceux qui connaissent, Dragon Ball Dokkan Battle est maintenant un crossover avec One Piece Treasure Hunter. Oui. Ah bon? Oui. Tu peux ramasser des items sur la carte. Oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je ne les montre pas, mais voilà, c'est... Ça aussi, c'est nouveau. Vous ramassez capsules de puissance, voilà. Treasure Battle et Dokkan Battle sont devenus des crossovers, non? Oui. Ils savent plus quoi faire, ça. Non. Là, l'image de quand tu lances le jeu, en fait, c'est God Goku bleu avec Flamingo, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas, lequel? Celui qui a le truc du flamant rose. Ah oui, de Flamingo. Ouais, si Red avait pu rentrer en son salon multi, on aurait volé ensemble dans la ville et voyagé. Non, j'aurais volé et lui, il aurait été comme ça. Si vous aviez le même niveau. Oui, si on avait le même niveau. Ça peut être sympa. Lui, avec, lui serait comme ça à l'heure actuelle. Un groupe d'amis à 4 ou 5 là. Et justement, en fait, le Kame House, là où on était tout à l'heure, sert à ça. C'est-à-dire, en gros, qu'on va dans la zone faire des quêtes. Et j'ai hâte de tester ça. Parce que bon. Donc, le genre de quête, on ne sait pas encore. Non, je ne sais pas encore. Je suppose que ce sont de bonnes quêtes. Des quêtes plus intéressantes, du moins. Parce que, excusez-moi, mais bon, voilà. Ouais, mais il ne faudrait pas que ce soit battre 4 Yamcha en 5 minutes. Ou... Je suis en niveau 37. Mais je vous avoue que ça m'ennuie plus qu'autre chose pour le moment. Ce sont les mêmes quêtes que le. Et oui, avant que vous commenciez à gueuler dans les commentaires, tu fais n'importe quoi avec ton perso, je sais. Le premier perso que je crée, c'est toujours n'importe quoi. C'est un perso test. Ne me saoulez pas. Avant de critiquez-le. Avant de vous montrer la baraque à Vegeta et Bulma, je vais vous montrer le système de rang de... Non, vous ne verrez pas Bulma en petite tenue, je suis désolé. Ah, ils ont cassé les Dragon Ball. Donc, c'est tout le monde. Donc voilà, ce sont les bureaux des examens. Quand vous arrivez à un certain niveau, en fait, vous pouvez passer des examens. J'en ai passé 4 pour avoir, en fait, le. Donc, en plus, vous gagnez du fric et certaines techniques, comme la charge d'énergie, la charge du max, et aussi des rangs, en fait, qui vous permettent, par exemple, là, c'est. Je suis en catégorie divine. Et une fois que vous avez ça, en fait, vous avez plus. Deux points roses, enfin d'espèces de petits trucs roses là, à la con, sur la map, qui apparaissent, qui sont en fait des entraîneurs, et vous pouvez aussi prendre des maîtres, comme moi j'ai fait avec mon perso favori Dragon Ball. Tu pourrais te retrouver avec le Seigneur Beerus. Je l'ai pas croisé encore, mais moi pour le moment j'ai Vegeta. D'accord. Et pas des moines, vu la tenue. Ouais, mais il me file que 3 quêtes, hein, contrairement à Krillin qui m'en a filé plein et qui sert à rien. Oh le rad. Pardon? Leur rad. Encore un raciste. Ah non, mais de toute façon, il t'insulte. Hein. Oh, quand tu as un maître et que tu te foires dans une quête, il te traite de merde. Si vous voulez faire des quêtes histoire là maintenant, j'ai qu'à aller au temple. Juste là en face. Et je rebalance la suite. Ouais. Donc voici en fait Capsule Corp, hein, vous reconnaissez. Pourquoi c'est là? C'est parce qu'en fait, c'est le bâtiment est piégé dans une faille temporelle. D'accord. Donc là, vous pouvez plus voler, hein. Vous avez toujours accès quand même à votre véhicule, ça ne sert à rien, mais vous y avez accès. Il y a quelques persos comme Truc Petit et Son Goten. Hein. Et bon, voilà, pour les gros pervers, dites bonjour à Bulma. Qui a les seins qui parlent. Chut, merci beaucoup. Et un truc intéressant, donc c'est ceux qui servent à faire la technologie QQ. C'est le mélangeur de compétences qui n'est trouvable que dans la baraque de Bulma. Cubang. Donc je vais vous montrer avec des trucs à la con. Hein. Donc comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs items. Je prends une tenue de Goku. Perdu bien entendu, une fois que tu les as utilisés. Effectivement. Je vais prendre le dernier à la mode. Donc, je trouve ça dégueulasse comme tenue.
Et là, on va pouvoir rajouter un objet pour améliorer le truc. Et ce même objet que tu as amélioré, tu peux le améliorer en plus avec un autre, ainsi de suite. Non, c'est une fois que c'est fait, c'est fait. D'accord. Donc les badges Satan et spécial et basique, vous savez tous à quoi ça sert. Ça, c'est pour une quête avec Boo. Mmh. Un Tamagotchi, je ne peux pas dire mieux. Et je vais utiliser un éclat de puissance. Pur hasard. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait ça. Ça te coûte des ennemis. Oui, ça coûte certains ennemis. Okay. Et j'ai un truc où il n'y a que du bonus et pas de malus. Mais c'est vraiment de la merde. Ah, c'est pas terrible. Puis vous pouvez recommencer à l'infini, hein, monsieur. Hein. Par exemple, je reprends un truc d'une caillou. C'est pas comme si on les lootait pas. Si tu prends le même objet avec le même item, ça te redonnera la même chose. C'est pas aléatoire. Ça, je sais pas. La même tenue avec le même. J'ai pas essayé deux fois le même truc. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, par exemple. Que de la merde. Donc. Si c'est de l'aléatoire, dans ces cas-là, ça va peut-être plus facile. On va essayer. Comme ça. Je pense que plus la stat que vous donnez est puissante. Les, quand vous le sélectionnez, plus le bonus est puissant, mais ça je suis pas sûr. C'est vraiment que. Voilà, vous voyez là. Ah, ça vaut vraiment plus le coup. C'est du pur hasard. Hein. Je ne sais pas. Ce que tu crées qui ne sert pas, tu peux le vendre minimum. Oui. Vous pouvez vendre quasiment tout votre inventaire. Hein. À part les boules de cristal qu'on peut avoir. Parce que dommage aussi, c'est facile à gagner. Bon. Ça sert à rien d'essayer d'aller voir le dragon là-bas pour le vœu, hein. Pour le dragon, c'est, il suffit d'aller au temple du dragon. Qui est ici. On pourra pas quand même sortir du jeu sans montrer le tournoi. Le tournoi, oui, mais je ne sais pas s'il est encore actif, parce que ceux qui se rappellent du jeu, en fait, n'étaient pas actifs les premiers mois. D'accord. Donc le tournoi se trouve là où il y a les trucs de couleur, hein, les espèces de banderoles, je sais pas comment ça s'appelle. Et bien sûr, c'est ni plus ni moins que le tournoi championnat du monde. Tenkaichi. Donc réception du championnat du monde, Une connexion est nécessaire pour y participer, voilà, à chaque fois c'est la même chose. Et ça, c'est pour... les combats sur la même console ou le même PC. Et non, a priori, il n'est pas ouvert. D'accord. Salut mon chat. Pour moi, il est pas ouvert. Ça aurait été bien qu'on ait le tournoi aussi des super. Justement, je ne sais pas du tout. Hein. Ça aurait été génial d'avoir l'arène de combat où qu'on a actuellement dans les Dragon Ball Super. Ouais. Avec la bulle protectrice, les dieux autour. C'était vraiment sympa. Ouais. Voilà, j'ai reçu un antidote G. Ce sont des petites quêtes à la con que vous avez dans tout le monde. C'est vous ramassez les objets comme ça et certains personnages vous le demandent. C'est pas un open world. Il n'est pas encore. Enfin, c'est un semi-open world, je dirais. Une grande zone. Voilà. T'es gentil là, j'ai envie de te dire. Oui, il est généreux. Hein. Oui, t'es vraiment généreux. C'est juste une grande maison. Hein, pour tout le monde. Tiens, j'aimerais bien avoir des comme ça, des baraques, moi, perso. Ou un grand hub, ni plus ni moins. Oui, plutôt un hub. Je vais, leur montrer Boo. Boo ? Il est chez Satan ? Non. Il est dans sa propre baraque. Ah, bon. Non, ce n'est pas un Pokémon, c'est bien la baraque de Boo. Ouais, c'est vrai qu'elle était très bizarre hein, dans la série. Donc voilà, d'accord. Il y a des PNJ. Là, normalement, il y en a un, mais là, il n'y est pas. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. On s'en fout, d'ailleurs, c'est un PNJ. Vous rentrez chez vous, et... Oh, surprise! Un géant. Et le petit truc derrière, c'est son fils. C'est voilà pourquoi je dis que c'est un Tamagotchi. En gros, vous le nourrissez gros bout pour qu'il ponde des enfants. Littéralement. Et vous avez l'occasion de le voir. C'est pas comme si j'avais farmé les gâteaux. J'espère qu'il ne va pas sortir par là où je pense. C'est toi qui vois. C'est vrai, ça donne de rôle d'image. Oh non. Mon chat, tais-toi. Donc voilà, hein, c'est... Ouais, c'est... Et les petits, en fait, à quoi ils servent?
Vous leur donnez de la bouffe. Tiens, prends un champignon vénéneux. Et va jouer près du périph. Et au bout d'un moment, en fait, ils vont revenir avec d'autres objets. Ça peut être intéressant, les objets. Pour le moment, j'ai eu que ce que je leur avais donné. D'accord. En gros, j'ai donné de la bouffe et j'ai eu de la bouffe. C'était assez bizarre. Mais d'après ce qu'ils disent, vous pouvez très bien voir des équipements et des trucs rares. Mais pour le moment... Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour du jeu. Oui, je crois qu'on a fait le tour du jeu. Bon, le championnat, on ne peut pas vous le montrer. Malheureusement, il n'est pas encore accessible. Pour l'histoire, on va pas spoiler dans cette vidéo. Mais toi, tu l'as essayé. C'est plutôt... C'est accrocheur. Ouais. Même si vous avez déjà vu et revu et revu. Mais bon, pour les gros fans, je pense que ça leur fera plaisir de faire encore et encore la même chose. Enfin, de mon point de vue, c'est encore la même chose. Hein. C'est Goku contre Raditz avec, bien sûr, Piccolo. Comme je te disais, moi, refaire les histoires de Dragon Ball Z, tout ça, ça me gêne pas puisque c'est la série. Mais Xenoverse 1, c'était une façon de faire. Donc, nous redonner la même chose que Xenoverse 1, tu vois ce que je veux dire ? Aller de nouveau empêcher celle de détruire la Terre. C'est complètement con. Voilà quoi. C'est pas con, c'est feignant. Pardon ? C'est feignant. Oui, de leur part. Dans le 1, ils avaient. Bon, tu refaisais le jeu, certes, mais au moins ils avaient eu l'intelligence d'y mettre une histoire. Je vois pas pourquoi ils ont pas carrément fait une autre histoire pour le jeu. C'est ça. Ben, il y a quand même une autre histoire, hein, si on part par là. Hein, non. Je vais pas me dire qu'il y a une autre histoire. Tu recommences. Tu rebutes Raditz, tu rebutes Zer, tu rebutes Cell, tu rebutes Boo, tu rebutes ainsi de suite et ainsi de suite. Non, je veux une histoire originale avec des nouveaux méchants, des nouveaux boss. Et comme tu me disais, par exemple, tu retournes dans l'arc de Cell, sauf qu'au lieu de l'empêcher de détruire la Terre, au lieu d'aider Gohan à faire le Kamehameha final, là, tu l'empêches de détruire la Terre avant le Cell Game. Donc, c'est kiff-kiff, quoi. Oui. Mais là, ce que je voulais dire, c'est pas vraiment la même chose. C'est les mêmes protagonistes, etc. Oui. etc. Donc, je comprends tout à fait votre point de vue, monsieur Dave BZ. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un autre côté, vous pouvez faire partie de l'armée de Freezer et attaquer. Est-ce qu'on peut influencer la fin du jeu ? À la base, on est censé pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir une fin différente de mon jeu par rapport à la tienne ou Red ? C'est ce qu'ils avaient dit quand ils ont lancé le jeu. Après, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ça pourrait être intéressant. Mais déjà, le fait qu'on puisse faire partie de l'armée de Freezer, je pense que c'est une bonne indication. Mais tu fais partie de l'armée de Freezer dans les quêtes annexes. Est-ce que ça influe le mode histoire ? Je ne sais pas. C'est, c'est les quêtes annexes que tu dis qu'on peut être dans l'armée de Freezer ? C'est dans un des trucs temporels qu'on dit qu'on peut être dans l'armée. Dans une quête annexe ou dans la quête principale ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait vraiment la quête principale. Là, je me suis baladé dans la ville. Donc je te pose la question clairement. Quand tu es rentré dans l'armée de Freezer, est-ce que c'était dans une quête annexe ? Annexe, on est en annexe là. Non, du tout, c'était en visitant la ville. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la quête principale, donc ça va rien changer au jeu. La fin, ça sera une fin gentille, guillée, avec tout le monde qui est content, tout le monde qui est en bas. Ah non, mais moi je précise, hein, je suis vraiment énervé que ce jeu soit sorti. Comme vous ne l'avez pas remarqué. Hein. C'est un boulot de feignant, un travail de feignant, et ça m'énerve. Ils ont un potentiel énorme à faire un jeu qui est génial, ils font le même que le 1 avec une nouvelle zone. Waouh ! J'ai l'impression de voir Dark Souls. Ça, c'est les premières impressions de tout le monde. Mmh. Ça a été aussi ce qui a fait que je ne l'ai pas pris à sa sortie. Non, mais c'est tout. Ils ont un potentiel qui est génial. Ils font quoi ? Le même. Ah, c'est bien, tu peux récupérer ta sauvegarde du 1. Waouh, c'est génial. Super, t'as une nouvelle ville ou t'as de nouveaux bâtiments, tu peux y rentrer dedans. Waouh, c'est bien. L'histoire, c'est la même. Comme je l'ai dit, moi, pour moi, c'est pas un deuxième jeu, hein. C'est le 1, mais voilà, c'est la suite. Quoi. Ouais, ça reste que la fin du 1. Ils peuvent l'enlever, hein. Mais Dragon Ball Xenoverse, fini, tout le monde va croire, hein. Je te rassure. Hein. Et tout le monde le payera sur son bout. Hein.
Parce qu'ils peuvent pas faire un Xenoverse 3 en partant sur le même principe. Non, si je fais ça, ça va gueuler dans tous les côtés. Là, c'est, ça serait pareil, quoi. On se retrouver avec le même problème qu'on a eu avec Tekashi, Tekashi 1, Budokai 1, Question personnage, on en a vraiment plus. C'est exactement les mêmes. J'ai l'impression qu'il y en a un peu plus, mais je pense que c'est qu'une impression. Red, quel était le Dragon Ball jeu vidéo qui avait le plus de personnages? Tekashi. Tekashi Budokai. Sur PS2. Et c'était le 3. Ouais. Et tu me sauras, mais il y avait des personnes qui servaient à rien. Donc... Oui, comme... Je sais plus comment il s'appelait l'autre. Il y avait le robot Pilaf et tout ça. J'allais te dire, il y avait Arale. En plus. Bah, beau clin d'œil quand même, Arale. Oui, mais à quoi ça sert? Ils ont le droit au clin d'œil, mais ils ont pas le droit non plus de faire n'importe quoi avec les personnes. Tu veux faire un clin d'œil, tu le mets dans le menu. Voilà, tu mets une apparition dans le... Tu mets une apparition dans le menu, voilà, c'est joli. Tu le mets pas en tant que personne jouable, quoi. Comme t'as Oubrey Pie, il y a un carré, moi, qui est Oubrey Pie dans le jeu. Donc voilà, en fait, ça c'est le perso précommande. Alors je tiens à raconter un petit truc, c'est que toute la journée, ils se sont fait incendier que Black Goku n'était pas là, ils se demandaient d'être remboursés. Alors qu'il suffisait juste d'aller sur le site pour lire qu'il y avait un souci avec le personnage. Ouais. Donc voilà, il est bien là, ne vous inquiétez plus, hein, ne criez plus au meurtre. Et pour le nombre de persos, je pense qu'il y en a quand même une belle pelletée, rien que quand on voit ça en fait. J'ai pas vu le trunk des supers du futur. Il est juste en dessous de Block Goku. Non, on l'a pas, non. Red, je te promets, on l'a pas. Tu vois lequel c'est au moins sur le super? Ah ouais, mais... Ah oui, avec son petit foulard rouge, la chemise fermée. Voilà. En dessous de Black Goku, nous, il n'y a rien. On a que ce trunk-là, c'est-à-dire trunk du futur. Mais c'est le trunk du futur, celui-là du super, je vous parle. On a trunk du futur des Z, mais on n'a pas le trunk du futur des super. Tu sais, avec la nouvelle tenue, le mec plus fin. Mais si, c'est celui-là. Non, nous, on a que celui en dessous de notre avatar à nous. Attends. Voilà, on a l'original des Z. Attends. Et en dessous de Black Goku, on n'a pas... À moins que peut-être que toi, t'as déplacé le... Non, non, je peux pas modifier l'interface d'un jeu. Non, en gagnant des persos, ça te modifie pas le tableau des... Du tout. Non, non, t'as débloqué les persos. Donc toi, en dessous de Black Goku... Tu vas tout à droite, normalement t'as Jaco aussi. On l'a, Jaco. J'ai Jaco, j'ai 4 cases. 4 cases plus loin, t'as Trunks des super. Eh ben non, juste en dessous, on n'a pas... Vous avez rien. Non, que dalle. Donc toi, t'as 2 Trunks du futur. Bah... Non, j'en ai qu'un. Non, en dessous de ton avatar. Non, mais... S'il a pas fait la parole. Ah, il a un cadenas. Ah non, j'ai encore au début du jeu, moi, donc j'ai pas. D'accord, donc tu l'as et nous on l'a pas. Bizarre ça. Ben normalement, le truc du futur, c'est être le pack de luxe. Bah, j'ai pas le pack de luxe. J'ai pour l'après-cours, c'est tout. Ben l'après-commande, c'était Goku Black avec le tronc de à la con. Ah, mais quoi, c'est peut-être parce que j'ai pris le season pass aussi. Ah oui, ouais. Possible. Monsieur est un petit cachotier. Oui, c'est sûr ça. Il a pris un season pass d'un jeu qu'il il en a déjà marre. Ah mais complètement, mais après, voilà, j'ai une possibilité d'avoir le season pass et le jeu pour le même prix que le jeu à sa sortie de vente. C'est sûr. J'en ai profité quoi. On réfléchit. Pour le même prix, je prends season pass avec, même si le jeu me plaît pas, au moins, voilà quoi, je le ferai, mais dans mon coin et. Et avec une grosse boule au ventre. C'est pas que le jeu n'est pas bien, donc c'est juste qu'il ressemble trop à son prédécesseur. Il faut, c'est ça. Faut se l'avouer, hein. J'ai fait beaucoup de quêtes, sans compter celle du mode histoire où j'en ai fait 3, tout cassé. Il y a beaucoup de quêtes duel. On aura aussi battre 3 gorilles géants d'affilée, on a tout ça. On a même la quête où on doit ramasser les boules de cristal chez Broly, des trucs comme ça. Ça je sais pas par contre. Ça ressemble énormément. C'est... Par contre, on a très bien celle de Namek où on a Guldo, puis après Reku, puis après Burter, et ainsi de suite. Hein. C'est la quête bien chiante, bien relou, que tout le monde s'en bat les couilles, le Conan de Mando Gimio. Ah, tu... Ouais. Je crois qu'on peut faire des parties de Shifumi. Bah ouais. Vas-y. Vous avez là. Ils en ont rajouté d'autres aussi pour ceux qui se posaient la question.
Ouais, ça met toute la danse de Vegeta. Voilà, t'as même le bingo. One, two, paper. Avec la pause. Exactement. Bon, enfin bref, maintenant qu'on a fait le tour du jeu, je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, on va continuer, on va pleurer au bout d'un moment. Mais pleurer du sang. Non ? Ouais. Je vais prendre la pause à mon perso, c'est tout. D'accord. Voilà, vous voyez maintenant comment on doit faire l'avion. Je vous conseille d'essayer. Bel équilibre sur les orteils. Bon, allez, coupe-moi cette vidéo parce que je vais y aller. Allez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. En espérant que ça vous a plu. Ciao, ciao.